Bonjour tout le monde, je me nomme Niavali Aïcha Sanou, je suis responsable marketing digital à Itel Mobile Guinée. Nous sommes aujourd'hui contents, toute l'équipe et moi, nous sommes contents vraiment d'être parmi vous pour enfin donner le sourire à ces enfants. Itel Mobile est une marque de téléphone portable d'entrée de gamme fiable pour tous. En adoptant comme philosophie de la marque Joy in Joy, Itel Mobile se donne comme objectif de fournir à tous une technologie de communication mobile à un prix abordable. Il démocratise la technologie en donnant accès à la technologie et à la connectivité aux consommateurs sans accès préalable à celle-ci, donc permettant ainsi de se rapprocher et de tirer davantage à leurs liens sociaux. Itel dispose d'un portefeuille de produits constitué de smartphones, de tablettes et de téléphones de marque. Après des années de développement, Itel a étendu sa présence sur le plan mondial dans environ 50 pays émergents. African Business, un magazine économique qui est autorisé en Angleterre, a placé Itel au 17e rang dans le classement des 100 premières marques les plus admirées en Afrique en 2018-2019. Notre mission est de nous rapprocher de nos clients, de comprendre leurs besoins et leurs attentes afin de leur fournir des produits de qualité et un service fiable. Nous offrons également une garantie de 12 mois sur tous les téléphones de marque Itel Mobile. Ce service est assuré par Carcass Service, communément appelé service après-vente, qui est aujourd'hui présent dans les 4 régions naturelles de la Guinée, à savoir Conakry, Labé, Kankan et Zérékori. Vous pouvez également consulter notre page Facebook Itel Mobile pour plus d'informations concernant nos produits et services. Nous offrons également dans le domaine social pour donner le sourire aux enfants démunis en situation d'handicap, les orphelins. D'où notre présence ici aujourd'hui, qui n'est pas notre première en Guinée, pour donner le sourire à ces enfants qui ont besoin d'amour et d'affection à travers la Fondation Grande Humanitaire, qui a eu confiance en nous pour les accompagner dans ce projet. Nous tenons à remercier le manager de Grampé pour tout son effort pour la mise en place de ce partenariat avec Itel Mobile et la Fondation Grampé Humanitaire. Nous remercions aussi tous les fans sur notre page Facebook qui nous ont aidés à mobiliser ce fonds à travers leurs commentaires et partages lors de la campagne. Nous disons également merci à la Fondation internationale Terno et Mariam, appelée Fatima, et avec toute son équipe et toute son équipe pour l'accueil qu'ils ont eu à nous apporter. Et merci également à toutes les personnes qui ont accepté de faire le déplacement pour la réussite de cet événement. Ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. Ensemble, donnons le sourire à ces enfants qui ont besoin de nous à leur côté. Je vous remercie. Nous remercions Mademoiselle Aïcha Niabadi. Et donc, nous allons, comme vous l'avez dit, si aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce vraiment à ces deux grandes fondations. Il s'agit de la Fondation Grampé
et la fondation Fitima. Fitima qui est la mère, parce que c'est elle qui accueille. La maman doit toujours accueillir ses enfants. Et mais de l'autre côté, le fils aussi qui donne la joie à sa maman. La fondation Grand P, nous remercions le fondateur, nous remercions tous ceux qui y travaillent. Et c'est très intéressant. Et donc, nous allons également donner la parole à nos partenaires de la fondation Grand P, qui vont essayer de prononcer quelque chose pour nous et qui vont essayer de nous dire aujourd'hui pourquoi le choix sur Fitima et qu'est-ce qu'ils veulent faire, en tout cas pour ces enfants, comme ils le prétendent avec nous. Donc, le représentant de la fondation humanitaire Grand P, s'il vous plaît. Alors, la représentante s'appelle Madame Silla Awa Kamara. Alors, elle va essayer de prononcer le mot pour contre la Fondation Grand P. Madame Silla, vous avez la parole. Bonjour, je suis membre de la Fondation Grand P humanitaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes là dans la Fondation Fitima pour faire ses dons à travers nos partenaires Intel Mobile. Pour Grand P, c'est toujours un plaisir et un honneur de donner. Il se dit aujourd'hui que s'il a la chance d'avoir, pourquoi ne pas partager aux gens, surtout aux gens qui sont diminués, qui ont des droits vis-à-vis de nous, qui sont des personnes normaux. Donc, c'est tout un plaisir pour lui de faire ce don et ça ne se limitera pas là. Il a assez de projets, il a un plan d'action bien déterminé pendant cette année et les années à venir. Surtout cette année, il pense que Fitima est son point focal, là où il pourra vraiment faire de grandes choses pour épauler ses enfants qui ont besoin d'aide. Et moi, je sais que c'est quelqu'un de bonasse, parce que je vis le quotidien avec lui. Je sais que s'il peut, il le fera. Donc, c'est un grand plaisir. Je pense que je ne serai pas longue, je peux me limiter là. Et merci pour l'accueil. Merci à Idel. Et merci à toute l'équipe qui encadre Grand P. Franchement, c'est du travail que nous faisons tous les jours. Merci. Merci à vous également d'avoir pensé à Fitima, surtout Fitima qui est une des fondations aujourd'hui qui est réputée à travers le monde. La Guinée d'ailleurs, on n'en parle pas parce que ça fait 10 ans que nous sommes en Guinée et les deux centres aujourd'hui, ça fait 17 ans que nous évoluons dans l'humanitaire. Donc c'est pour vous dire que c'est du travail et c'est grâce à la clairvoyance de Madame Awa Dramé qui va également. On ne peut pas quand même la lâcher. Elle va prononcer quelque chose après, à la fin, pour nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'elle ressent quand elle voit ces enfants-là. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle a Fitima. Qu'est-ce qu'elle ressent quand elle ressent toute cette équipe autour d'elle. Donc c'est ce que nous allons faire. Et nous allons continuer le cours normal de la cérémonie. Et c'est la prestation de notre Grand P qui va essayer de donner le sourire à ses enfants. Parce que je vous avoue, quand j'ai dit tout à l'heure, le grand-père arrive, les enfants ont crié d'un seul coup. Et c'est comme si c'est le sang qui a coulé d'un seul coup, d'un tour dans leur corps. Donc ça peut vous dire que grand-père, ils aiment très bien grand-père. Donc grand-père va essayer de faire sa prestation, s'il vous plaît. La prestation de grand-père. Oui. Oui, on va l'accompagner, on va l'accompagner. Grand P va essayer de venir là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Grand P. Il va se lever, on va essayer de l'accompagner. Accompagnons-le et il va essayer de faire sa prestation. C'est pas, vous avez préparé sa musique. S'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Il peut venir là et... Merci. Il peut être là. C'est tellement tous les enfants veulent venir parce qu'ils sont plus. D'accord, il a un mot à dire. Mais est-ce qu'on va attendre ça? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ah, ça c'est pour les enfants. Une copine,
Allô, c'est vraiment joyeux parce que tout simplement, Grampé a fait sa prestation. Tout le monde, allez-y, vous asseoir s'il vous plaît. Reprenez vos places s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Ça, nous sommes très contents parce que tout simplement, les enfants se sont retrouvés avec Grampé aujourd'hui. Surtout avec sa fondation, s'il vous plaît. Assoyez-vous s'il vous plaît. Ouais. La suite de la cérémonie, c'est la remise des cadeaux aux enfants de Fitima, comme c'est prévu, comme on l'a prévu dans le chronogramme, et nous partons vers la remise, madame, de ces cadeaux qui sont là pour nos enfants, les enfants de Fitima. Et donc, on va essayer de les appeler un à un. Les enfants, ils vont recevoir leurs cadeaux. Et après cette remise, madame la présidente de Fitima a un mot à dire à nos partenaires, en tout cas à tout ce qui accompagne Fitima et à ses enfants. Donc on va rapidement commencer la remise. Alors, on a une surprise, d'ailleurs on ne s'attendait pas, mais c'est une surprise. Et donc on vient de me faire savoir que Grampé a un don spécial pour la fondation Fitima. Alors là, c'est très intéressant. Grampé a un don spécial pour Fitima et ce don va être remis à madame la présidente de Fitima. Applaudissez s'il vous plaît. Alors, on va essayer d'organiser ça. Je ne sais pas où se trouve le... D'accord, on va essayer d'organiser ça rapidement. Le don se trouve où? D'accord. C'est Grampé lui-même va essayer de remettre le don à madame. C'est ce qu'il a dit. Et donc on va essayer de créer un cadre pour que les médias aussi puissent avoir les images réelles de la chose. Je pense ici c'est plus important. D'accord. La fondation Grampé à l'honneur, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est qu'un début comme ils l'ont dit, et nous également, on va faire beaucoup de choses avec la fondation. Voici, c'est ça aussi la vision de la présidence. Alors, on va procéder à la remise du don. Madame la présidente, voilà, Grampé a proposé un don pour vous, et donc elle va vous dire ce qu'il y a lieu de faire tout à l'heure. Avec un plaisir que je prends la parole au nom de Grampé, avec cette enveloppe significative qui a un contenu d'un million de francs guinéens pour une assistance médicale, parce que je sais que vous faites des soins médicaux ici pour les enfants. Donc voilà, c'est l'enveloppe. Attrape, assoumou. Grampé, voilà. Yeah.
merci à la Fondation Grampé, c'est symbolique. Oui, allez-y vous asseoir s'il vous plaît. Tout le monde s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y vous asseoir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout le monde s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Alors, il y a un autre élément qui vient de signaler qu'on va appeler nos enfants de Fitima. Ils viendront là, on va les habiller. C'est ça. Il y a des maillots pour eux. On va les habiller tous. Ils vont être là. Et après, comme ça, on va commencer à faire. Oui, effectivement. Alors, vous pouvez les appuyer là-bas, s'il vous plaît. Nos enfants de Fitima. GG est où? Ah, il y a un calendrier. Il y a un calendrier. Demain, effectivement, ils peuvent s'asseoir. Comme ça, c'est bien organisé. Vas-y.
Ils ont pris photo. Il y a Odia qui vient nous recevoir. C'est bon. Alors, on va amener tout Kesso. Les deux premiers. Attends, ils vont te donner. Les photographes soient un peu plus rapides. Hein. Alors, on va comme aller avec Karamba. Karamba, s'il vous plaît. On dit, on commence par les filles. Oui, vas-y, appelle. On commence par les... Après, on va... Allez, Maïmouna. Maïmouna va recevoir son cadeau dans les mains de... Va, ils vont te donner, va. De graphique. Bravo, Fatima. Non, allez, non, allez. C'est pour elle. C'est pour elle. Ah, ok, Maïmouna va recevoir également son cadeau. J'arrête à mon amour. Wow. Alors, Ramatoulaye va recevoir son cadeau dans les mains de graphique. S'il vous plaît, les filles, on a dit les filles. Ramatoula a reçu son cadeau. Ariel, tu vas recevoir son cadeau. Ariel aussi va recevoir son cadeau. Je pense que c'est fini, hein? Les filles. Maïmouna a reçu déjà. Il y a Mireille et Mama Dama qui sont quelque part. Et c'est les filles de Fitima, donc on va garder les deux pour elles. Alors, on va aller avec les garçons. Damfara va recevoir son cadeau. Il n'attend pas. Alors, Damfara va recevoir son cadeau. Damfara va recevoir son cadeau. Damfara, c'est qui Damfara? Il y a Isiaka qui va recevoir son cadeau. Isiaka, alors, il va recevoir son cadeau.
Voilà, c'est comme ça qu'il devait faire. Wow. Soyez un peu plus rapide. Okay, alors, Isiaka va recevoir son cadeau. Isiaka. Isiaka, allô? Isiaka va recevoir son cadeau. Alors, Cheikh va recevoir son cadeau. Cheikh. Cheikh. Michael. Cheikh va recevoir son cadeau dans les mains de Grand Pays. Alors, Tiam Abdoulaye va recevoir son cadeau dans les mains de Grand Pays. Tiam Abdoulaye. Ah ouais, merci beaucoup. Tiam Abdoulaye va recevoir son cadeau. Il y a Sadio aussi. Alors, il y a Tiam qui va recevoir son cadeau. Il y a Tiam qui va recevoir son cadeau. Il y a Sadio qui est présent partout. Sadio est présent partout. Sadio va recevoir son cadeau. Sadio va recevoir son cadeau dans les mains de Grand Pays. Alors, je crois les garçons, c'est fini. On a un autre qui n'est pas là. Il s'agit de Balamoussa. Donc, Balamoussa, il est en déplacement. Il faut qu'il ait son. D'accord. Balamoussa a son cadeau. Sadio, c'est bon. Sadio. Alors, je crois la remise des cadeaux, c'est déjà terminé. Et au nom des enfants de Fitima, il y a chaque qui va essayer de remercier la Fondation Grand Pays Humanitaire. C'est pas encore fini. Alors, il y a d'autres cadeaux qui restent. Alors, ça marche. Ça marche. Alors, là aussi, on va appuyer ces lieux. Ou bien on va remettre 2020. Alors, les garçons. Les garçons. Les lunettes, c'est pour les garçons. Ariel, c'est pour les garçons. Ariel, c'est pour les garçons. Les lunettes. Les lunettes, c'est pour les garçons. Les lunettes, c'est pour les garçons. Comme ça. Les lunettes, c'est pour les garçons. On va continuer. Les lunettes, c'est pour les garçons et pour les filles. On a des barrettes pour les filles. Alors, on a des très belles barrettes pour les filles. Les barrettes pour les filles. D'accord. Ça marche. Les filles ont reçu, toutes les filles ont reçu les barrettes. Ah, c'est pour les enfants de Fitima. Toutes les filles ont reçu leur barrette. Ah, ok, où est-ce que? Alors, le reste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. Alors. Je deviens Papa Noël à partir du 7 janvier. Je deviens Papa Noël à partir du 7 janvier. Donc, il n'y a pas de problème. C'est mon cadeau. Ça marche. Et donc, ah, mon deuxième Papa Noël est là. Non, ça marche. Je croyais être seul Papa Noël. De toute façon, on est là. Quand est-ce que tu vas faire? Ambra, Ambra. Ambra, poche. Ah, au goulet. On va y mettre un coup. Au goulet. De la Fondation Campé Humanitaire. Après le cadeau des enfants, nous avons d'autres cadeaux qui seront là à l'école. Et ces cadeaux-là vont rester ici pour le bienfait des enfants. Dans ces cadeaux, vous avez des jouets éducatifs. Les jouets éducatifs, vous avez
le ballet ballon pour le sport. Vous avez les sacs, vous avez également les cahiers, les maillots de sport et des poupées pour les enfants. Donc, aussi, il y a des livres et des livres de compte. Il y a des livres de compte qui vont rester à la bibliothèque. Vous avez des jouets. Des jouets éducatifs pour les enfants. Vous avez les sacs scolaires. Il y a 20 sacs et 50 cahiers pour les enfants. Et aussi des ballons, des poupées et des maillots de sport pour les enfants. Je vous remercie. Merci. 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 La Fondation Humanitaire Grampé, merci. Et avant madame, je crois que c'est madame qui doit clôturer tout. On va écouter Cheikh. Il va essayer de remercier au nom des enfants de Fitiba. Cheikh est là. Il va essayer de prononcer quelque chose au nom des enfants de Fitiba. Il voudrait vraiment dire merci à la Fondation Grand Prix Humanitaire, mais également Itel Mobile. Cheikh, tu as la parole. Je crois que le micro est quelque part. Okay, s'il vous plaît. Je vous remercie de nous aider avec Iker et je vous remercie encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh, d'avoir prononcé ce mot. Merci. À tout seigneur, à tout honneur. Hawa Tramé qui va essayer de. Reculez. Madame